Alors, qu'est-ce qu'un jardin botanique? Un jardin botanique, ce sont des collections de plantes qui servent à la recherche, qui servent à faire des expositions, qui servent à faire de l'éducation. Mais ce qui est important de retenir, ce sont des plantes documentées. Toutes les plantes que nous avons ici ont été des plantes qui ont été échangées par notre réseau de jardins botaniques. Alors, nous sommes très chanceux ici à Montréal. Nous avons un des plus grands jardins botaniques au monde. Alors, on oublie souvent que le Jardin botanique de Montréal fait partie des grands jardins botaniques. Pourquoi? Par la richesse de ses collections. Ce sont 22 000 taxons, 22 000 espèces que nous avons ici et par nos jardins thématiques. Beaucoup, beaucoup de choses à voir au Jardin botanique. Il faut prévoir quelques heures parce que c'est quand même assez long à visiter. Pour le moment, nous sommes dans un des plus spectaculaires, des plus connus, notre magnifique jardin de Chine qui a été construit totalement par des artisans chinois avec des matériaux chinois. Alors, ce que c'est un jardin authentique, comme tout ce que nous présentons ici au Jardin botanique, des choses authentiques. Alors, nos jardins thématiques, il y a bien sûr aussi le jardin japonais qui est absolument magnifique à découvrir. Nous avons un jardin des Premières Nations où l'on présente les relations très particulières que les gens des Premières Nations entretiennent avec la nature et bien sûr la richesse de nos collections. Alors, ici, au Jardin de Chine, nous tenons un événement absolument magique, spectaculaire, une expérience immersive extraordinaire qu'on appelle la magie des lanternes. Alors, la magie des lanternes, depuis 17 ans déjà que le Jardin botanique fête la fête des lanternes. Pourquoi? C'est tout simplement en Chine, c'est une histoire qui date de plus de 2000 ans d'histoire déjà. Ce sont des empereurs qui avaient créé des petites lanternes, tout simples, faites en soie, peinturées par les plus grands peintres de la cour. Donc, on les accrochait pour vraiment illuminer les fêtes, donc vraiment toutes les festivités de Nouvel An et aussi de fêtes de l'automne. Alors, les gens fêtaient ça en grand, en accrochant les lanternes de toutes sortes de tailles, toutes sortes de formes, donc des animaux mythiques, par exemple, qui sont très, très présents dans la culture chinoise. Alors ici, au Jardin botanique, on voulait recréer cette atmosphère-là. Alors, trois missions fondamentales, une mission recherche, une mission de conservation avec ces 22 000 taxons que nous conservons ici dans des habitats particuliers, dans des régions particulières, et évidemment une mission éducative qui est très, très importante. Alors, pour les enfants, pour les adultes, des programmes scolaires, des programmes grand public, qui font vraiment qu'une visite au Jardin botanique, elle n'est pas seulement qu'agréable, mais elle est très enrichissante.